On se retrouve pour la présentation du cahier de vacances sur le petit peuple. Cette fois-ci, euh, je ne vous l'avais pas encore présenté, celui-ci, donc il est de Dame de Cendre, de Cendre plutôt, aux éditions euh, Alliance Magique. Euh, moi, je n'avais pas encore acheté euh, un cahier chez eux euh, sur le petit peuple et bah, j'aime beaucoup le thème. On reconnaît encore une fois les illustrations euh, de Stéphanie Gras. Il est toujours au prix de 9,95 euros. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. Laissez ce cahier vous guider sur les routes tortueuses et fabuleuses qui mènent au petit peuple. Petit peuples, bonnes gens, peuple silencieux, bons voisins, autant de noms différents pour ces créatures féeriques que sont les brownies, les pixies, les coriganes, les sylphes et autres gnomes. En plus de peupler nos contes et le folklore, ils sont observables dans la vie de tous les jours. Les gargouilles des églises l'illustrent bien. Un autre exemple, ce sentiment de quiétude ou cet embarras lorsque vous entrez dans un lieu identique si l'esprit du foyer vous considère bienvenu ou non. Mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas remercier ces bonnes gens-là. Pourquoi Ouvrez les pages de ce cahier et vous saurez tout ou presque sur le peuple frééric. Dans ce cahier, vous trouverez des quiz pour tester vos connaissances, les bases essentielles à connaître pour approcher le petit peuple, les différentes créatures de nos forêts, montagnes, campagnes et même les villes, comment percevoir le petit peuple, comment travailler avec le petit peuple et déjouer ses mauvais tours. Vous ne croirez plus que le petit peuple ne se trouve que dans les contes et le folklore. Partez à sa rencontre sur le chemin des vacances. Voilà, voilà. On va l'ouvrir ensemble du coup. Alors, bon, comme les autres, il est évidemment tout en couleur. Hein. On a un sommaire que je ne vais pas euh, vous lire vu qu'on va le parcourir ensemble. On a une introduction les illustrations, c'est toujours aussi belles. On retrouve toujours euh, en fluo euh, les points importants à retenir. Voilà. Au premier chapitre, on a ben, « Qu'est-ce que c'est que le petit peuple ?» Voilà, des entités primordiales et anciennes divinités, l'autre monde et les lieux liminaux. Ensuite, on a un petit quiz, ça c'est chouette aussi, un petit vrai ou faux. En chapitre 2, « Le petit peuple dans la culture pop euh, »,« Anjanas, Bonnet Rouge et Sylph ». Voilà, un regard sur Jim Henson. Des mots croisés, des jeux à relier, chercher l'intro, j'aime bien. Regardez les illustrations comme elles sont jolies. C'est trop mignon. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est petit peuple. En chapitre 3, percevoir les créatures de l'autre monde. Voilà, ici on vous explique un hein, créature métamorphe et plante et axone. Là, on a un peu de pratique création euh, d'un charmback pour la double vue. Bah, un charmback, c'est un petit sachet euh, de sort hein, pour vous aider à les voir. Puis ici, on a des mots mêlés. En chapitre 4, les contes et les folklore, des histoires issues d'anciennes traditions. On a un petit mot sur les contes pour, enf pour enfants, l'ambivalence des créatures surnaturelles. Un jeu à relier, un labyrinthe, un grand labyrinthe cette fois-ci. Euh, chapitre 5, des trolls et des runes, euh, créatures du folklore scandinave, sorcière ou troll, petit troll, euh, rune égale rafir. ça me fait penser à un film que j'ai vu sur Youtube, euh, avec des, bah, une bande de jeunes qui se filment à la recherche de trolls, et euh, bah, ils en trouvent euh, plusieurs, ils tombent sur un chasseur de trolls, et à la fin euh, ça finit assez mal, voilà. Un peu de pratique, talisman de sagesse des trolls. Un vrai ou faux. En chapitre 6, les gargouilles et les autres créatures de pierre. Je trouve ça magnifique, moi, les, les gargouilles aux églises. Visite culturelle, encore une fois, à mot croiser. En chapitre 7, la forêt, un haut lieu de pratique avec la, les créatures des bois, les fées et le servi des blancs, qu'on retrouve ici, l'homme sauvage ou le dieu cornu. On en parle beaucoup dans, dans la Wicca hein, du dieu cornu. Quiz, qui suis-je Les figures des forêts. Encore un mot mêlé. Oh, regardez comme il est beau, le petit renard. Magnifique. Ensuite, chapitre 8, Sentier féerique et les herbes d'égarement. Avec les routes féeriques, la balade de Tamlin, les herbes malicieuses. Encore un, un petit labyrinthe. Un quiz, connaissez-vous bien les arbres féeriques Ici, on vous donne les feuilles, il faut essayer de trouver de quel arbre ils proviennent. En chapitre 9, le sorbier, l'allié des randonnées, l'arbre, hein, le sorbier. Un peu de pratique, création d'une amulette en bois de sorbier. Ici, on a euh, aussi un, un sigil, un vrai ou faux. En chapitre 10, fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Ben là, on va parler évidemment de tous les esprits de l'eau hein. esprit des fontaines, le puits de Clossy, amour et épingle. Un petit quiz sur les créatures des eaux, des mots croisés. Ensuite, en chapitre 11, elle est jolie celle-ci, euh, Gros Aguès et Morganed, créatures des mers et des profondeurs de vieilles enchanteresses et les suivantes de Morgane. Euh, Gros guess, et Morganed, je ne connais pas. Un quiz, qui suis-je Encore des mots mêlés. Ensuite, en chapitre 12, le lac, royaume des morts et, des, et le miroir, avec lac, figure, psychopompe, miroir, divination et nécromancie. Honorez vos défunts, un jeu à relier. Euh, en chapitre 13, les esprits de nos foyers, avec ceux qui sont ben, dans les maisons, hein, créer un hôtel pour les esprits du foyer. Un petit quiz Remerciements et offrandes, comment, ben, comment les, leur faire des petites offrandes et les remercier. Et on vous dit aussi euh, quel type d'offrande pour quelle créature. Recette féerique, le pasti, une mise en situation. Ensuite, on va nous parler de la mandragore avec la plante des elfes. Un mot croisé, un peu de pratique, créer une halrune. Ici, chapitre 16, vengeance, malédiction et cauchemar. Des flèches elfiques, elle est jolie celle-ci, l'illustration. Rêve d'elfe et mar. Un vrai ou faux, un petit mot sur les herbes médicinales. Une recette, baume contre les elfes chottes. En chapitre 7, la monarchie euh, féerique. On a encore un qui suis-je, des mots mêlés. Et ensuite, on passe au corrigé. Voilà, euh, moi je le trouve vraiment très très chouette. On a un lexique avec des mots, si vous ne savez pas euh, ben, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Euh, une bibliographie, derrière ce cahier, ben, un petit mot sur Dame de Cendre, les illustrations toujours par Stéphanie Gram et on n'oublie pas Julie Bonsignori, et ben, toujours aux éditions, voilà, Arcana, enfin euh, Alliance Magique ici. Donc, moi, il me reste celui sur la lithothérapie et l'astrologie, que je ne vous ai pas encore présenté. Les autres, ceux que j'ai, je vous les ai tous présentés. Voilà. Ben moi, j'aime beaucoup euh, ben, ce petit cahier sur le petit peuple. Euh, J'y connais un petit peu moins, hein, le petit peuple, et ça, ça sera chouette de le découvrir pendant les vacances. Voilà. Euh, C'est chouette d'avoir des cahiers comme ça, euh, plusieurs, avec des thèmes différents. Et en plus, je les trouve super chouettes euh, à faire. Euh, je vous mets mon lien euh, vers Amazon si jamais vous voulez donner un petit coup de pouce, si vous voulez vous le procurer dans la barre de description. Comme ça, vous n'avez qu'à cliquer euh, dessus et vous serez directement redirigé vers Amazon. Voilà, Mais du coup dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si celui-ci vous intéresse ou pas. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous étiez curieux de voir ben, l'intérieur, euh, ce qu'il y avait dedans, son contenu. Euh, ou si vous avez craqué euh, bah, pour d'autres de leurs cahiers, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous